Vous cherchez à louer une maison pour les vacances, mais dans un endroit assez atypique. Laissez-moi vous faire découvrir justement un endroit vraiment différent des autres. Vous me suivez? Cette maison est carrément construite dans un rocher. Chaque niveau a une particularité. Non seulement c'est vraiment une maison qui est assez ancienne, mais une maison Cévenole, parce que bien nous sommes à Anduze, mais il y a également une vue splendide, que ce soit des rochers, carrément dans la maison qui est vraiment dans un rocher, ou que ce soit la vue de la rivière, d'un pont métallique et à proximité du centre du village d'Anduze. Il y a toutes sortes de choses à faire et chaque pièce a été vraiment bien conçue, bien meublée pour vraiment que ça soit une maison vraiment atypique, mais qui reste tout de même une maison Cévenole. C'est une maison familiale avec beaucoup d'options différentes. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une maison cachée et chaque pièce est cachée, mais a en même temps toutes sortes de possibilités. Je vous invite maintenant à découvrir le magnifique jardin et surtout la vue. Si vous cherchez à passer des petites vacances tranquilles, mais dans les montagnes, mais vous voulez en même temps une vue, vous voulez être agréable et vous voulez que chacun ait son coin, c'est l'endroit idéal pour vous. Alors là, que ce soit la piscine ou les petits apéros qu'on peut se taper, ou tout simplement de peut-être voir des petites chèvres qui vont grimper, qu'on peut voir dans les montagnes, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. La vue, le confort, quelque chose de atypique. Je vous invite à découvrir cette maison. Je vous mets le lien du Airbnb ci-dessous dans la description de la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, Rachel Demeo de Belle Terre Academy. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi des... Si vous avez une petite faim, il y a aussi des arbres fruitiers, des cerises, des amandes. Il y a d'autres... Il y a même un olivier, là. Et puis, franchement, pour une vue, le matin, pourquoi pas prendre son petit café ici? Je vous invite à me joindre tout en haut pour prendre le café ensemble et profiter d'une magnifique vue. Et tada! C'est là où nous sommes restés, que nous avons pu profiter de rivières, de montagnes, d'un petit village, de bons petits restos et des plats vraiment typiques, des plats de Cévenole, et également d'un bon moment en famille, parce qu'ici, il y a également la bambouserie, il y a un petit train à prendre, il y a toutes sortes de choses à voir. Donc, je vous invite à découvrir cette maison atypique